qui avait signé lundi. C'était aujourd'hui son premier entraînement physique. Il devrait rencontrer le reste de l'équipe demain. Avec, à 27 ans, ce gardien venu du Liechtenstein comptabilise 56 sélections en équipe nationale. Il jouait l'année dernière à Boavista. On l'écoute au micro de Claire Gressieux. En France, les équipes sont très fortes et je pense qu'il y a un bon entraînement et ça c'est le plus important pour moi. Je pense Ligue 2 en France, ça c'est haut niveau. C'est clair, je veux mieux dans le futur, mais maintenant je pense FC Tour, ça c'est un club très. Et le voilà justement, Yann Kerbrogan, on l'évoquait il y a quelques instants. Jaïl est là, il va le prendre de temps. Kerbrogan, il a faute peut-être. Et l'arbitre qui ne siffle rien. Et l'arbitre, Monsieur Poula, qui laisse cette action se poursuivre alors que visiblement, il y avait une faute. En tout cas, c'est ce que tout Auguste Delon a vu. On reverra ça tranquillement après. Mais ça fait deux fois que c'est un petit peu litigieux et que Monsieur Poula ne laisse pas cette action se poursuivre. On va détailler ça. On revoit Yann qui passe devant Julio César qui lui tire le maillot, qui lui appuie sur l'épaule. Là, on le revoit. Et on le revoit très bien, même. Allez, allez justement, Kerbrogan pour frapper ce coup franc. Ça bouge dans la surface de réparation. Il faut apporter des solutions. Il faut essayer de diversifier les appels de balles. Ils sont 6 hein, pour l'instant dans la surface. Au deuxième poteau, la tête. Oh, c'est sauvé miraculeusement là par le gardien. Mais quelle tête de la part là d'Alexandre Barbier qui était monté aux avant-postes. Qui a... À bout portant, il a un réflexe fabuleux, on le revoit là. Barbier qui s'intègre et là, gêlé, c'est vraiment dans les 6 mètres. Il est à 4,50 m du gardien. Kerbrogan, il va tenter sa chance. Non, il va se mettre sur son pied. La frappe de Kerbrogan à la parade de Gelo. Kerbrogan. On revoit là cette magnifique frappe et encore Gelo, Peter Gelo qui fait des...